Mon récit? Eh bien, je marchais donc tout seul à leur rencontre. La lune dans le ciel luisait comme une montre. Quand soudain, je ne sais quel soigneur loger s'étant mis à passer un coton nuagé sur le boîtier d'argent de cette montre ronde, il se fit une nuit la plus noire du monde. Et les quais n'étant pas du tout illuminés, mordius, on n'y voyait pas plus loin que son nez. Qu'est-ce que cet homme-là? C'est un homme arrivé ce matin. Ce matin? Il se nomme le baron de Neuville. Ah! C'est bien. Très bien. Je disais donc, mordius, que l'on n'y voyait rien. Et je marchais, songeant que pour un gueux fort mince, j'allais mécontenter quelques grands, quelques princes, qui m'auraient sûrement... Dans le nez. Une dent. Qui m'aurait une dent. Et qu'en somme imprudent, j'allais fourrer... Le nez. Le doigt. Entre l'écorce et l'arbre. Car ce grand poète de force me faire donner... Sur le nez. Sur les doigts. Mais j'ajoutais, marche Gascon, fais ce que doit, va Cyrano. Et ce disant, je me hasarde, quand dans l'ombre quelqu'un me porte... Une nazarde. Je la pars, et soudain me trouve... Nez à nez. Ventre Saint-Gris, avec 100 braillards avinés qui puaient... À planer. Le nom et la litargue. Je bondis, front baissé. Nez au vent. Et je charge. J'en estomac deux, j'en ai pas la tout vif. Quelqu'un m'ajuste, paf, et je riposte. Pif. Tonnerre, sortez tous.